Merci Seigneur. Gloire est à toi. Bonjour, mes frères et sœurs. Nous sommes la bienvenue ce matin dans nos cultes d'adoration. Alléluia. Encore une fois, nous sommes et nous croyons que le Seigneur est avec chacun de nous dans la maison. Alléluia. Nous, la maison, lui, est un sanctuaire, le temple de Dieu, là que Dieu lui résidait. La Bible dit là que deux ou trois rassemblés en son nom, Jésus lui au milieu de nous. Et je crois que le Seigneur est avec nous tous ce matin. Alléluia. Il est omniprésent, omnipotent. Alléluia. Il est partout. Il est dans toute la maison. Alléluia. Et il nous dit c'est un joyeux Noël. Alléluia. Sans Christ, nous pas capables. Nous battons pour là aujourd'hui. Alléluia. Sans Christ, nous battons pour là aujourd'hui. Alléluia. Le Sauveur, le Créateur. Il vient un homme à cause de nous, mais il prend l'essence d'un écho humain à cause de nous. Alléluia. Et nous célébrer son nom ce matin. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous pour louer son Saint-Nom, nous pour adorer, nous pour dire merci. Alléluia. Un an fin traversé, le Seigneur fin protège nous. Fin protège nous, le Seigneur fin avec nous. Il montre nous qu'il est avec nous. Alléluia. Et nous ne sommes pas capables de finir sa dernière culte là sans nous dire le Seigneur merci. Sans nous rendre grâce, nous bon Dieu. Alléluia. Amen. Moi personnellement, pour la vie de ma famille, le Seigneur finit avec nous. L'année 2021, pour le monde, il y a une année catastrophe, mais pour nous, le peuple de Dieu, c'est une année de bénédiction. Alléluia. Amen. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Laisse-nous rendre grâce, nous bon Dieu. Et nous dire merci. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous les disons à toi, merci Seigneur, nous les glorifions ton Saint-Nom. Oh oui Seigneur, sans toi ce matin, nous partons pour là, alléluia. Oh, sans toi Seigneur Jésus, oh alléluia. Qui nous était sans toi Seigneur, qui nous était sans toi Seigneur Jésus. Nous les glorifions ton Saint-Nom, nous les disons à toi, merci Seigneur. Oh, la gloire est à toi, l'honneur, la puissance est à ton nom Jésus. Oh notre Père, nous te glorifions, nous te disons merci Seigneur Jésus. Alléluia, nous place ce culte entre tes mains. Nous place ce culte, Seigneur Jésus, entre tes mains, alléluia. Oui, Seigneur, prends la première place. Oh, Seigneur Jésus, oh, Seigneur Jésus, prends la première place, Seigneur Jésus. Que ton nom l'est glorifié, que ton nom l'est béni, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, contrôle, prends le contrôle de ce culte. Que ton esprit envahisse chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Que ton esprit envahisse chacun de nous, Seigneur. Oh, tout le monde, musicien, moi-même, un choriste, alléluia. Que ton esprit à l'œuvre. Qui, Seigneur Jésus, te touche, ban l'équerre, ban personne. Te guéris, ban personne qui paie, qui dans le culte ce matin. Alléluia. Te touche dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Nous les glorifions, ton Saint-Nom. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous vous chantons, rends grâce au bon Dieu pour tout ce qu'il y était. Tout le temps. Rends-lui grâce. Alléluia. Parce que bon Dieu, il y a un bon Dieu fidèle. Alléluia. Nouveau. Voilà.
son nom, chante pour cela gloire. Alléluia, alléluia. Célèbre son nom avec ma louange nouveau. Rends grâce nous mon Dieu pour tout ce qui était. Merci Seigneur pour ta fidélité Seigneur. Merci pour ton amour pour nous Seigneur. Merci de finir de nous ton fils Jésus pour mourir Seigneur mon Dieu Jésus qui finit de la vie pour nous Seigneur Jésus. Je te remercie Seigneur notre Dieu. Tout l'honneur, toute la gloire est pour toi Seigneur. Nous reconnaissons envers toi Seigneur. Nous reconnaissons Seigneur pour tout l'amour inconditionnel que tu en as pour nous Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Nous vous chantons, alléluia, nous continuons à adorer, alléluia. Hier, le monde entier fin célébrer la Noël. Il n'a fin célébrer lui. En connaissance de cause, parce qu'il connaît qui fait de célébrer lui. Et n'a de célébrer lui parce que tout le monde peut célébrer Noël, il de célébrer Noël. Sans connaître exactement c'est quoi la Noël, qui fait nous célébrer la Noël. Et nous, en tant que chrétiens, c'est beaucoup plus, nous n'avons plus beaucoup raison, alléluia. Pour nous, la Noël est un véritable sens. Alléluia. Un jour, 2000 ans de cela, le Créateur finit prendre naissance d'un corps humain. Alléluia. Mercredi dernier, nous t'en un merveilleux message sur la croix. Hein? La mort de Jésus, la crucifixion, ça procès là. C'est extraordinaire. Comment comment ça bondit là, lui-même, fin accepter tout cela. Alors, de claquement les doigts, il est capable d'anéantir le monde entier. Pas seulement une personne qui est devant lui, et claquement les doigts, le monde entier effacé. Mais il n'est pas une victime, mais il est livré lui-même. Il fait une mort, il fait accepter, humilier lui. Et c'est ça la Noël, frères et sœurs. La Noël sans Jésus, c'est pas Noël. Et là, nous pour chanter, nous pour dire beaucoup, nous pour dire merci, nous les cœurs. Il a la louange dans nous les cœurs pour lire alléluia. Moi, faire monter nos louanges dans les ciels. Parce que Jésus vient né, alléluia. Le Fils de l'homme vient prendre naissance, alléluia. Amen. Alléluia. Faire monter louange dans les cieux.
laisse en moi mon content, Jésus mon précieux, pour me faire mourir pour l'éternité. Toujours, l'on sauvé. Dis-moi pour moi. Oh, alléluia. Manière intime, pour capable sur moi, il pardonne-moi, présente-moi. Mon lequel y a sans. Mon lequel. Dis-moi pour moi, manière intime, pour capable sur moi, il pardonne-moi, présente-moi. Moi, Père, mon Dieu, moi, Père, mon doux louange, Père, mon doux louange dans le ciel ce matin. Insomme-moi mon content, Jésus mon précieux, pour l'éternité, moi faire monter louange dans les cieux, moi faire monter louange dans les cieux. Et insomme-moi mon content, mon content. Oui, Jésus, Jésus, mon précieux, pour l'oublier pour l'éternité. Alléluia, merci Seigneur. Oh, nous les fermons vers toi, nous louons ce matin. Oh, la dame va chérir les bébés, les bébés, les bébés. Libère nous, Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh Radava Shade. Oh alléluia, 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 alléluia. My Lord Jesus. Oui Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Emmanuel est ton nom, Seigneur. Puissant guerrier, alléluia. Emmanuel est son nom, Dieu est avec nous, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Emmanuel est son nom. Oui, alléluia, radabashakadanaba. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Emmanuel est son nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans le combat,
Shaddai est son nom. El 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 Shaddai est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oui, son guerrier. Dans le combat, Jésus-Christ est son nom. Emmanuel est son nom, puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Oh, puissant guerrier, puissant guerrier. Fond dans le combat, Jésus-Christ est son nom. Alléluia, Ranamashekelebe. Oh oui, Jésus est ton nom, alléluia. Le nom au-dessus de tous les noms, alléluia. Oh, alléluia. Oh, le Fils de l'homme, pour qui, alléluia. Oh, pour qui, la création fut faite. Et Seigneur Jésus devine prendre naissance comme un homme. Oh, comme un bébé, alléluia. Oui, Seigneur, grandis dessus cette terre. Oh toi Seigneur, le Fils de Dieu, depuis la foi homme à la foi Dieu, alléluia. Depuis mort, je la crois. Oh, afin qu'il nous vienne en vie éternelle. Afin que nous commençons debout devant toi ce matin pour louer toi Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Gloria undorobe kedebe debe. Oh Jésus. Oui, toi avec nous Seigneur. Nous dis-toi merci Seigneur. Oh oui, vraiment, alléluia. Oui, Emmanuel est ton nom. Et te fin montrer-nous qui t'es vraiment avec nous chaque jour pendant cette année-ci. Nous les disons à toi, merci Seigneur. Nous les glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Oui, nous ne pouvons pas faire dernier sans toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, toi, El Shaddai, le puissant guerrier. Oh, fort dans le combat. Le puissant, alléluia. Te fin montrer ta puissance pendant cette année-ci. Merci Jésus. Oui, le nom au-dessus de tous les noms, Jésus, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Oh, nous pas capables, Seigneur, pas dire toi merci, alléluia. Parce qu'il nous reconnaît sans toi, Seigneur. Nous pas capables, faire n'en rien. Sans toi, nous perdus. Sans toi, nous morts, alléluia. Merci, Jésus. Alléluia, radabashekedebe. Jesus. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur à cause d'autres là-bas. Acclame le Seigneur à cause d'autres là-bas. Alléluia. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On arrive le moment important pour écouter la parole de Dieu. Ce matin, nous avons une personne spéciale qui vous présente la parole de Dieu.
Alléluia. Écoutez attentivement. C'est la sœur Janine qui pour prêche tout la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa servante. Alléluia. Merci. Frères et sœurs, bonjour à tous. Je vous salue tout dans le nom de Jésus. Et je salue aussi tous les enfants qui nous regardent aussi. Ça fait vraiment un pincement au cœur parce que dans les temps normaux, là, nous avons une jolie petite fête à l'église. Et d'ailleurs, nous avons fini comment se préparer nos bonnes enfants, mais nous faisons ici une seule classe. Nous parlons de ici continuer. Nous souhaitons que les jours qui viennent seront meilleurs et qu'ils nous capables de rencontrer nous encore ensemble pour louer et glorifier le Seigneur. Comment nous tout connaissons hier, tout le monde a fêté Noël. Noël, c'est quoi? Bon, passe un petit moment, là, c'est pas le sujet de mon message. Noël, c'est la naissance de Jésus. Comment Jean-Marc t'y dit tout à l'heure, là? Il y a beaucoup, une fait la fête, une réjouisseuse, vous avez la raison, réjouisseuse, dans la naissance de Jésus. Mais pour nous, chrétiens, ce signification plus profonde. Alors, nous connaissons pour nous, c'est quoi la naissance de Jésus? Et c'est nous lié dans Ésaïe, chapitre 9, qui dit à nous. Nous passons vite là, parce que, juste pour montrer la naissance, c'est quoi la naissance de Jésus? Chapitre 9 d'Ésaïe, dit à nous, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ça, c'est le verset 9 qui nous dit ça. Verset 5 dit à nous, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est ça Noël. Jésus est né. Nous t'y faire un petit sketch pour l'école des enfants, tu montrer nous sur la naissance de Jésus et comment même les anges annoncent cette naissance. C'était une bonne nouvelle. Ce matin, nous les apportons que des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle que Jésus est né, que Jésus est venu dans le monde pour nous sauver. Alors c'est ça pour nous. La naissance de Jésus, il y a une grande signification. C'est ça qui apporte nous vraiment la joie, nous réjouit nous dans la présence de Dieu. Avant de commencer, je suis content de nous donner une petite illustration pour faire vous comprendre ce qui vraiment Jésus finit de faire sur la terre. Nous avons une famille, nous tout comprenons ça. Il y a un papa, il y a une maman, il y a des enfants. Alors, nous prenons l'exemple d'un papa et de deux garçons. Deux garçons, papa là et non, je sais maman, maman là, mais nous ne parlons que les garçons, le papa et les fils. Et il y a un garçon là-dedans, qui est bien fidèle avec son papa, il est en place, il est correct, il fait tout ce qu'il faut. Mais l'autre garçon est un petit peu rebelle, et même il quitte la case, son papa paraît comme le fils prodigue, il finit aller. Mais papa là se déclare certainement une triste quand ce garçon finit aller. Mais le grand garçon, vous pouvez faire dire comme ça pour être capable de comprendre, le grand garçon final plaide pour ce petit frère. Il dit papa, excuse-lui, il offense toi, il n'a aller, il fait te déclare faire mal, pardonne-lui, laisse-lui retourner la case. Papa là dit à cause toi, me laisser retourner. À cause toi. Toi, tu es un bon garçon. Toi, tu ne fais moi le nez, tu ne lèves moi la tête. À cause toi, moi, accepter l'autre là. Alors, c'est ce que Jésus finit faire pour nous. Jésus finit venir dans la terre. Le titre de mon message ce matin, c'est la réconciliation. Ce que Dieu finit faire entre nous et lui, c'est Jésus qui finit faire cela entre nous et lui. Il finit réconcilier nous avec le Père. Nous lire dans ce pour nous comprendre ça bien, dans Colossiens chapitre 1, versets 20 à 22.
Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Pourquoi il est venu? Ok, ben c'est... Verset 20, nous lire à partir du verset 19. Quand Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui, il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans la croix, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui irrépréhensible et sans reproche. Ok, mes bons frères et sœurs, Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Nous retournons un petit peu dans le jardin d'Éden. Qu'est-il arrivé? Qu'est-il passé dans le jardin d'Éden? Pourquoi as-tu besoin que Jésus vienne pour réconcilier nous? Dans le jardin d'Éden, nous tout connaissons, qui fin passé, fin dans la désobéissance. Je fin rejette Dieu. Je pas fin accepter la parole de Dieu, je fin faire la désobéissance. Depuis ce jour, nous fin être séparés de Dieu. Nous pas capables d'approcher de Dieu. Et n'a une séparation. D'ailleurs, Dieu t'y fin mettre dehors, fin ferme le jardin. Pas t'y capable. Et cependant, je tiens une bonne relation au début. Notre relation est bien intime avec bon Dieu. La Bible dit à nous que tous les jours, bon Dieu passait cause avec Adam et Ève. Mais le jour de la désobéissance, c'était terminé. Et pour nous aussi, si Jésus parti vini, c'était terminé pour nous. Parti prenant le ciel. Parti prenant les grâces que bon Dieu fin préparer pour nous. Alors c'est pourquoi, dans le jardin d'Éden, le péché est venu par un homme. Et Jésus, il finit descendre du haut des cieux, il vit comme un bébé, il finit grandir par un homme, le salut est entré dans le monde. Alors c'est pourquoi nous vous rendons grâce, bon Dieu. Nous vous disons, Seigneur, merci. Mais nous nous sentons aller la grande grâce, nous, bon Dieu, en tout temps. Si tu es parti venir, Jésus, qu'est-ce que nous tu pour être? Qui nous tu pour faire? Qu'est-ce que nous tu pour aller quand nous mourons? Merci, Jésus, te finis venir. Alors, c'est pourquoi nous dit à Jésus, merci, te fin vin comme un enfant. La dernière fois, dans nos leçons d'école des enfants, nous dit, Jésus fin à Bessli. Comment nous dit, tous enfants, misère comme à nous misère, nous fin né quand même dans l'hôpital, nous pas fin né dans le jardin, nous pas fin né dans la rue, nous pas fin né dans n'importe qui place, mais une place assez décente. Mais regarde Jésus. Jésus fut né dans une crèche. Il fut tout quitter pour venir ici. Il n'est pas si obligé de faire ça. Il n'est pas si obligé de faire ça. Mais qui l'a poussé? C'est son amour pour nous. Alors, c'est pourquoi nous voulons dire, Seigneur, merci pour cet amour, Seigneur. Te fin abaisse-toi jusqu'à dernier degré, nous qu'à dire. Partout que tu ne passes, une demande place, pas de place. Tout fermé. Partout, ben là, il refusé. Dans une étable, ben les animaux ne peuvent pas dire non, pas rentrer contre nous, pas venir là. Je n'ai accepté. Et Jésus fut né dans une crèche. Et pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il nous aimait. Parce qu'il pense à nous. Il a accepté, humilié-lui. Alors c'est pourquoi nous dire le Seigneur est avec nous. Le Seigneur fait vraiment tient nous dans sa l'état de ténèbres. Comment nous dire quand Jésus vient sur la terre, c'est une grande lumière. Vraiment, il y a les ténèbres. Vraiment, il y a le péché. Mais Jésus vient apporte la lumière. Et quand Jésus vient, il réconcilie nous. Et en même temps, comment nous dire dans Ésaïe, une grande lumière vient resplendir. Jésus vient donner nous la lumière. Nous n'est plus dans les ténèbres. Autrefois, on était dans les ténèbres. Quand Jésus vient, il apporte la lumière. Nous lirons un autre passage qui parle nous de la réconciliation. C'est 2 Corinthiens, Romains chapitre 5, versets 10 et 11. Et puis nous pouvons lire Corinthiens aussi.
Romains chapitre 5. Versets 10 et 11. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous sommes ennemis. Dis pas tibizin, sauve-nous. Quand même nous sommes loin avec lui, nous sommes désobéissants, nous sommes ennemis à sa parole, nous sommes séparés de lui. Mais lui, il finit compte en nous quand même. Il finit réconcilier nous avec ce papa pour qu'il ne pas tombe dans l'enfer, pour qu'il nous capable de gagner la vie. 2 Corinthiens chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Frères et sœurs, nous vous disons Seigneur, merci. Nous te connaissons pour une réconciliation. Ce qui veut dire qu'il y a une cassure quelque part. Pour dire qu'il nous l'approche avec Dieu, tine cassé. Nos relations, voilà, merci. Hein? Nos relations avec Dieu, tine cassé. Pour capable de la réconciliation, ça veut dire qu'il est cassé avant. Alors c'est pourquoi Jésus est venu pour arranger. Jésus est venu pour réconcilier nous avec le Père. Jésus est venu pour donner nous vraiment ce qui est réservé pour nous. Jésus n'est pas là qui nous tombe dans le péché. Jésus n'est pas là qui nous tombe dans l'enfer. Un jour quand nous mourons, c'est qui est arrivé qu'il n'est pas réconcilié avec Dieu. Il est capable de dire c'est ma faute parce que Jésus est venu. Jésus est venu pour sauver toi, mon frère. Pour sauver toi, ma soeur. Pas capable de dire qui. Non, il n'y a pas de faire. Jésus est venu pour réconcilier nous, justement. À ce moment-là, nous ne sommes pas faire route avec lui. Il faut être réconcilié d'abord. Alors, c'est pourquoi nous dire Dieu nous a réconciliés avec lui par sa mort. Nous venons dans le jardin d'Éden. Tout à l'heure, nous pour retourner. Que nous besoin retourner. Alors, c'est pourquoi. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, que nous ne pouvons pas lire, nous connaissons très bien, quand Jésus est, Natine annonce la venue de Jésus, Tindia, quelqu'un pour venir, pour appeler Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Le mot Jésus même veut dire sauveur. Jésus vient pour sauver nous, pour délivrer nous. Et par cette réconciliation, nous ayons tout en Jésus. Pena n'y est qui nous dit nous pas capable de gagner en Jésus. Nous avons tout. Mon finet énumère quelques-uns, mais il y en a beaucoup. Par exemple, ce que nous disons tout à l'heure dans Isaïe, nous gagnons la lumière quand Jésus est venu. Nous gagnons la vie éternelle. Nous gagnons le salut. Jésus finit apporte l'amour dans nos cœurs. Nous partons contents Jésus avant nous. Nous partons contents nos prochains même. Regarde le premier homme qui naît, il finit faire meurtre. La haine finit rentrer dans les cœurs. Mais Jésus finit apporte l'amour dans notre cœur. Et puis, ce que nous pouvons parler aujourd'hui, Jésus est venu apporter l'espérance, l'espoir. Et il y a beaucoup de monde qui vit l'espoir dans la vie. Nous étions autrefois sans espoir, nous aussi, quand nous pratiquons Jésus. Nous aussi, nous partions à l'espérance. Nous sommes capables de dire, Enzo, nous mourons, quand nous partions avec Jésus, Enzo, nous mourons quand nous pouvons aller. Peut-être la pensée de l'éternité, même pas divine dans nous, pas de pensée même. Mais quand Jésus finit visite nous, quand nous acceptons Jésus dans notre cœur, nous avons l'espérance. Notre espérance, c'est en Jésus. Nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 1er. Chapitre
chapitre 1, verset 1 même, dis-nous. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. Le Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. Frères et sœurs, nous n'avons l'espoir dans ce monde qui est sans espoir. Parce que Jésus est avec nous. Emmanuel, Jésus est avec nous. Dieu est avec nous. Le Sauveur est venu pour nous donner justement cette espérance. Quand sans lui, nous sommes sans espérance. Pas qu'il n'a bu dans nous la vie. Mais il y a des gens qui ne parlent pas de Jésus. Il a bu, il y a quand tu dis, il fait n'importe quoi, et il vit comme ça. Mais le jour qu'il a rencontré Jésus, nous avons l'espérance. Nous connaissons que nous pouvons aller, nous connaissons que nous pouvons marcher, nous connaissons que nous pouvons faire. Jésus finit apporte l'espoir dans notre vie. Aujourd'hui, mon frère, mon soeur, si tu sens espoir, sache que Jésus est venu pour donner-toi justement ça, l'espoir là. Jésus finit venir pour donner-toi la vie. Jésus finit venir pour apporter la lumière dans ta vie. Tu connais que tu peux aller, tu connais que tu peux marcher. Alors c'est pourquoi nous disons Jésus, toi tu me l'espérance. Et puis nous trouvons que Jésus finit apporte la paix. Quand l'ange civil annonce la venue de Jésus, il dit la paix sur terre. Est-ce qu'il est capable d'y aller à la paix sur terre actuellement dans cette époque qui nous peut vivre là? Hein, nous peinons à la paix. Au contraire, il y a un problème, vrai pas vrai. De ce moment qui nous peut vivre là, nous dire, Dieu, beaucoup de monde dans la difficulté, beaucoup de monde peut gagner un tracas. Mais que Jésus dit pour nous, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne crains rien, que votre cœur ne se trouble point. De ce moment qui est difficile là, hein? Dieu dit à nous une parole réconfortante. Si nous aimons Jésus, si nous avons été réconciliés avec lui, il nous apporte sa paix. Alors c'est pourquoi accepte la paix de Dieu. Hein? Dans Dieu apporte, tiens sa trouble là, tiens sa l'inquiétude là, tiens sa, la crainte qui nous capable d'amener là. Laisse la paix de Dieu remplir toute l'équerre. Et dans le verset qui dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur en paix. Frères et sœurs, que la paix de Dieu demeure en nous, quoi qu'autour de nous et dans trouble, quoi qu'autour de nous et dans difficulté. Paix n'a la paix, mais Jésus dans notre cœur apporte la paix. Alors c'est pourquoi, dans ce moment pandémie, là, tu dis, tout le monde peut gagner un tracas, aïe, pongo arrive ça, aïe. Mais nous, enfants de Dieu, Dieu remplit nous les cœurs de cela, paix. Et puis nous trouver, Dieu finit la porte. Le pardon. Je connais si Jésus pas venu, Jésus dit à moi, pourquoi pardonne-toi, tu es trop offense moi. Tu finis aller vers d'autres dieux, tu finis faire des choses désagréables à mes yeux, je ne suis pas capable de pardonne-toi. Comme on me disait tout à l'heure, Jésus est venu pour nous réconcilier. C'est en lui qui nous est dans tout. C'est en lui qui nous est dans toutes choses. Le pardon. Nous vous disons, Seigneur, mais qui fait un accepté, pardonne-moi. Moi, pas digne de sa pardon, là. Quand nous guettons, nous pas digne de sa pardon que Jésus fait apporte nous, là. Mais dans son amour, il a accepté de nous pardonner. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 32, nous lire qu'il dit. Hein? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est en Christ que nous avons été pardonnés. C'est en Jésus, en lui, que nous avons le pardon. Alors, quand on nous regarde à la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus finit donne tout. Il finit accepter, humilier lui jusqu'à la croix. Il finit accepter, être cloué à la croix pour pardonner nos péchés. Est-ce qu'il nous digne de ça? Est-ce qu'il vraiment lui dit, hey, « Hé, moi, je suis un bon petit monde, moi, je suis un bon madame, moi, je suis un bon monsieur, moi, je suis un bon enfant, moi, je suis un bon petit fille, moi, je suis un bon garçon. C'est un même bon Dieu, puis pardonne-moi. Nous tous, nous sommes bons pour l'enfer quand il est nous. Merci, Jésus, tu finis venu, tu finis apporte-nous le pardon. Tu finis donne-nous ce ministère de
réconciliation là, te fin réconcilier nous avec le Père, te fin accepter nous comme à tes enfants. Hein, pareil que ma, comme à sa garçon qui te plaide pour ce petit frère, papa excuse lui. Ça même Jésus final demande papa, excuse, pardonne, pas connais, pas tu connais qui je peux faire, pas tu connais que je peux marcher. Mais en Jésus nous avons le pardon. Ou capable de dire un petit monde comme moi, autant péché mon faire, autant qu'il soit vilain mon faire, est-ce qu'il est capable de gagner le pardon? Oui, mon garçon, oui, mon petit fille, oui, mon frère, mon sœur, tu es capable de gagner le pardon parce que Jésus a payé sur la croix. Jésus a tout accompli sur la croix. Alors c'est pourquoi nous dire dans la mort de Jésus, nous avons le pardon. Maintenant, nous dire Jésus, toujours quand l'ange terminé, dit la joie de Dieu. Dieu fin venir apporte la joie. Comment nous peut dire dans ce monde qui nous peut vivre actuellement, est-ce que vous pensez qu'on est capable de vivre joyeux? Vous pensez qu'on est capable de venir à la joie en tout temps? Vous pensez qu'on est capable d'être heureux en tout temps? Me dire oui, parce que Jésus est avec nous. C'est lui qui nous apporte la joie. C'est lui qui donne nous à la joie là. C'est lui qui donne nous à la paix là. C'est lui qui donne nous à pardon là. C'est en lui. Nous sommes cachés en lui. Si nous sommes cachés en lui à ce moment-là, nous avons la joie. Mais si vous pourrez de la joie dans le monde, vous ne pas pour gagner. Vous ne pouvez pas gagner. Éphémère, pour passer un petit la joie, un petit moment après, vous retombez dans vos problèmes. Alors c'est pourquoi Jésus nous fait obtenir le pardon en Jésus. Nous finissons obtenir la joie en Jésus. Malgré les épreuves de la vie, malgré les combats qu'il nous capable d'apporter. Mais elle a dit, vous pouvez dire, tout ce problème-là, vous gagnez, frère, c'est, mais vous trouvez joyeux tout le temps. Vous connaissez qui faire? Parce que sa joie est cachée en Jésus. Cela vit caché en Jésus. C'est pourquoi il y en a la joie, malgré il y en a épreuves, malgré il y en a difficultés, malgré qu'il est capable paraître tempête, peut taper au lit, peut baloter. Mais quand Jésus est avec toi, il est capable de baloter toi quand tu es content, tempête là, Jésus peut tenir toi ferme. Parce qu'il te la joie, il ne pas trouve en dehors, te la joie, il trouve en Jésus. C'est pourquoi me dire, Jésus finit pour nous la joie. Qu'est-ce que Jésus finit pour nous encore? La consolation. Ça va me penser à toutes ces personnes qui finissent par des épreuves. Excusez-moi. Bonnes parents, bonnes enfants qui me perdent des parents, bonnes qui me perdent des proches. Jésus console, oh frère, mes soeurs. Excusez-moi. Jésus, nos consolations, les trouvons en Jésus. C'est Jésus notre seul consolateur. Personne d'autre pas capable comprendre comment Jésus lui-même. Alors c'est pourquoi on croit que Jésus les comprend tous ceux qui finissent passent par le deuil, tous ceux qui finissent passent par des moments difficiles, tous ceux qui finissent perdre des autres proches. Laisse-moi dire où mon frère ou sœur, aux consolations liées en Jésus. Jésus lui comprend où? Jésus lui connaît qui passait dans l'équerre en ce moment même. Alors c'est pourquoi accepter cette consolation qui vient de Dieu. Jésus seul capable de consoler toi. Jésus seul qui prend toi soin chaque jour, chaque instant. Dans tes épreuves, dans tes difficultés, Jésus lui à tes côtés. Alors c'est pourquoi regardons à la croix. Retournons à la croix. Regarde ce que Jésus a fait. Est-ce qu'il y a un moment, il y a une situation qui Jésus pas ne passer, qui Jésus pas comprend? Frères et sœurs, toute situation qui t'est capable d'aider, Jésus il passe là-dedans avant toi. Et il comprend toi carrément. Il comprend toi, tout le temps, on dit ça, à 100%. Ce que l'homme ne peut pas comprendre, Jésus comprend. Alors c'est pourquoi nous dire, pas baisse les bras, pas laisse-toi affliger. Pas laisse-toi tomber dans la bassesse ou bien dans des découragements. Sache que Jésus est avec toi. D'ailleurs, Emmanuel, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est lui notre force.
qui fait notre force, c'est la joie de Dieu. La joie de Dieu fait nous la force. Alors c'est pourquoi il a dit mon capable trop seul seul aussi. Jésus une fois il nous trouve seul sur la croix. Il nous trouve abandonné. C'est pourquoi me dit n'importe qui situation, n'importe qui événement capable de passer dans la vie, Jésus comprend toi. Jésus fin passe là-dedans avant. Nous l'homme nous capable comprendre où un petit peu. Pas à 100%, mais Jésus, lui, il comprend. Jésus, lui, il connaît. Alors, c'est pourquoi nous dit à Jésus, tu fin tout accompli pour nous sur le bois de la croix, qui fait un nous besoin aller dans l'enfer un jour, qui fait un nous besoin tomber dans le péché, qui fait un nous besoin aller de la joie en dehors, quand toi, tu nous la joie, quand toi, tu nous la paix, quand en toi, nous fin gagner le pardon, quand en toi, nous fin gagner la consolation. Hein, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Alors, il est le seul qui est capable de soutenir toi. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème, nous dire, garde ton regard sur la croix. Regarde ce qu'il est fin de faire pour toi. Parce qu'il est tellement fin content en toi. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné, il a tout donné. Il finit tout accompli pour nous sur le bois de la croix. C'est pourquoi nous ne sommes pas capables de décourager vous autres. Nous ne sommes pas capables de dire, Seigneur, tu n'abandonnes-nous jamais. Dieu a dit qui mon papa abandonne-toi jamais. Mon papa délaisse-toi. Même le monde capable abandonne-toi. Même les plus proches capables abandonne-toi. Moi, l'Éternel, je suis avec toi comme un bouclier. Je suis avec toi, je suis soutenir toi, je suis fortifier toi. Alors, c'est pourquoi nous disons, la mort de Jésus n'a pas été en vain. La mort de Jésus fin apporte-nous la consolation, fin apporte-nous la paix, fin apporte-nous la joie, fin apporte-nous la lumière, fin apporte-nous, il donne-nous grâce sur grâce. C'est pourquoi tu allais là, Kabbalah fin chanter, rendons grâce en tout temps. Rendons grâce vous autres, nous qui payons des bouts devant vous autres qui persistez que vous autres enfants autour de vous autres, tu allais nous commencer un bon petit manger. Nous amusons-nous en famille, nous comptons-nous les uns les autres, nous imaginons les autres qui sont seuls, nous imaginons les autres qui peinent la famille. Hein, il y a même, tu peux causer qu'une sœur, une vieille maman peut dire, pourtant il y a des enfants, il dit, ils sont tous seuls. Bonnes enfants, s'il vous plaît, ou un grand monde que tout, ou une maman, ou un papa que tout, qu'on garde, qu'on bénisse autres. Pas les autres les qui font mal, vous connaissez quand les qui ont un grand monde font mal, je me sentais un petit peu en dehors du sujet. Laisse-moi dire quand même. La famille, c'est important. La famille, ça même pilier l'église. Ça. Alors, c'est pourquoi garde ou grandit monde bien. Pas faire autres morts avec regret. Je connais qu'il y en a des gens explorés. Mes enfants ne viennent pas de moi. Il y a même un CFP de moi. Un autre des gens qui viennent de l'Inde, comme ça, moi, j'ai des enfants. Mais je ne viennent pas de moi. Je ne pas pour moi compte. Et pourtant, qui lui manquait pour vivre. Il gagne ce petit pension, il gagne ce petit argent, il dit qu'il vit bien, mais il y a un regret, il y a un chagrin dans ce l'équerre. Bonnes enfants, qui sont encore, ce parent, qui sont encore, bonnes grand-mères, grand-pères, qui sont encore, bonnes grandes, qui là bien. Prends ce compte. Vous connaissez qui est un jour pour une vieille, vous aussi, bonnes jeunes qui peuvent écouter moi là. Bonnes qui sont moins jeunes. Bonnes qui sont encore, il y a maman, papa. Compte en eux. Garde eux. Une petite parenthèse qui me nouvelle, me ferme tout de suite. Alors, c'est pourquoi nous dire Jésus finit tout accompli pour nous sur le bois de la croix. Jésus finit de nous toutes choses, il finit de réconcilier nous. Maintenant, nous sommes enfants. Pareil comme à ses enfants qui nous disent tiens, quitte la case. Quand il est réconcilié avec ce papa, est-ce qu'il ne soit pas pour dire comme ça, tu connais? Ça ne te pas toussé, ça ne te pas pense, l'autre garçon là qui t'y plie correct. Non, tout ce qu'il a dans la case là pour l'ici, il partage toutes les bénédictions qu'il y a dans la case là. Mais si vous finissez un enfant de Dieu et qui vous finissez être réconcilié avec Dieu, toutes les grâces que Dieu finit réserver, il est pour où? Puis il n'y a rien qui vous dit, eh ben, je vais faire un peu mauvais, qu'il faut papa vous donne moi ça. Non, Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu finit réconcilier nous en Christ par sa mort. Alors c'est pourquoi toute grâce, toute bénédiction pleinement. Il suffit qu'il va accepter Jésus dans l'équerre. Pas faire comment quand Jésus, quand Joseph, tu perds la place, tu ne fermes la porte, peine la place.
Fais maillot, pas faire mou l'équerre, aujourd'hui, mon frère, mon sœur. Bonnes enfants qui pensent que donne toutes les cœurs à Jésus, ouvrez toutes les cœurs à Jésus, afin que toutes les grâces que mon Dieu finit réservées pour vous, soient capables de gagner. Alors que vraiment la grâce de Dieu est capable d'abonder dans toute la vie, parce que Dieu finit réconcilier nous par son Fils, et il finit donner nous toutes choses pleinement en lui. Dieu finit tout à tout faire. Dieu finit donner nous la vie et la vie éternelle. C'est pourquoi nous dire, ne pas craindre aucune situation qui est capable de survenir dans notre vie. Allez, quelle situation est capable de venir? Plus catastrophique qu'il y en a. Jésus est à nos côtés. Jésus calme les tempêtes. Jésus donne la paix. Jésus donne la joie. Jésus donne l'espérance. Jésus donne le salut. Jésus donne la lumière, la vie éternelle. Tout ce qu'il croit au besoin. Bonne jeune qui peut écouter moi. Qui va le rôder des hauts? En Jésus qui est dans tout. Qui va le faire des hauts? Des hauts, vous connaissez? Le loup poutrapou. Mais si vous restez dans la bergerie, le bon berger vous protège. Il suffit de rester sous la protection du bon berger. Il suffit de rester sous la protection de Dieu. Cassiez-nous en bas sur les ailes. Laisse-nous protéger par Dieu. Ce qui peut passer dans le monde est vraiment catastrophique, nous qu'à dire. Pas intéressant pour guetter, pour tendre. Nous pas tant de bonnes nouvelles, mais on dit, moi, de nous autres bonnes nouvelles. Que Jésus a tout accompli pour vous sur le bois de la croix. Acceptez ça, Jésus, là, dans les cœurs. Acceptez Jésus, dit Seigneur, à partir de maintenant, mon poumanche, mon regard fixé sur toi. À partir de maintenant, Seigneur, moi, pour mettre la vie entièrement dans te la main. Mercredi, je t'en ai un message sur la croix. Aussi longtemps qu'il nous garde nos regards sur l'œuvre du calvaire, ce que Jésus a fait, ou pas pour abandonner Dieu facilement, ou pour marcher avec lui, ou pour continuer à garder nos regards sur lui, réalisant que Jésus, il fait compte en moi, il fait donne cela vie pour moi, pas maintenant quand je suis dans la difficulté, qu'il ne peut pas abandonner moi, pas maintenant quand je passe dans un moment difficile, d'un moment qui peut-être me sentit moi seul, qui Jésus pas abandonne moi. Non, Jésus a été abandonné pour que nous ne soyons pas abandonnés. Jésus a été maltraité pour que nous ne soyons pas maltraités. Jésus a été humilié pour que nous nous sommes élevés avec lui. Alors, ça vaut pas la peine, ça vaut la peine qu'il nous marche avec ça, Jésus-là. Ça vaut la peine qu'il nous trappe sur la main faux. Comment nous tout connaît, Jésus prêt pour retourner. Jésus à la porte. Fait manière que quand Jésus est venu, nous pas loin de lui. Hein? Nous ensemble avec lui, nous prions avec lui, nous disons Seigneur Jésus, nous connais te fin de nous toutes choses pleinement dans Jésus. Alors c'est pourquoi nos regards, les besoins fixés sur Jésus. Bon, pour terminer par ça, on vous dit Seigneur Jésus, qu'est-ce que Jésus est pour toi? Est-ce qu'il est tout pour toi? Tu connais quand tu as le déo, parce que je ne suis pas tout pour toi. C'est pourquoi tu as le rôle d'un PDO. C'est pourquoi tu as le morse-morse, tu as le rôle de la joie, tu as le rôle de la paix. Mais si Jésus est tout pour toi, tout est pour toi, tout dans Jésus, alors on vous demande-toi, qui y était pour toi aujourd'hui? Est-ce qu'il est ton sauveur? Est-ce qu'il est la lumière? Est-ce qu'il est vraiment celui qui peut guider toi, qui peut diriger toi? Ou bien te pédestois diriger par ta propre connaissance, par ta propre marche, par ta propre intelligence. Mais Jésus est venu, laisse-nous conduire par lui. Il est venu justement pour nous conduire. C'est lui qui peut conduire nous vers le Père, parce que c'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. Alors c'est pourquoi, mette-nous la vie dans la main de Jésus. Jésus est tout pour moi. Dis-moi ce qu'il est pour toi. Dis-moi, mon frère, mon sœur, qu'est-ce que Jésus est pour toi? Est-ce que tu as tout laissé entre ses mains? Est-ce qu'il te finit de nier tout? Ou bien te finit garder une partie pour toi? Ça même nous problème, ça. Nous garder une partie pour nous. Sa partie-là, ça ne m'a pas ouvert la porte pour Jésus, ça. Mais le moment qu'il te donne tout à Jésus, Jésus sera tout pour toi. Dans n'importe qui problème, tu es capable de passer, dans n'importe qui difficulté, Jésus sera toujours à tes côtés. Ok, mon bon frère, mon bon sœur, que la grâce de Dieu l'y accompagne. Nous souhaitons que l'année 2022 soit meilleure
nous souhaiter que 2022 nous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'espérance, beaucoup de paix. Nous souhaiter que vraiment Dieu capable de faire nous grâce, nous retrouve nous à l'église, nous l'église capable de réouvrir, qui nous capable de louer et glorifier le Seigneur. Que la paix, la grâce en abondance soit sur tous nos bons frères, tous nos bonnes sœurs. Et qui vraiment, Dieu capable de bénir nous. Nous baissons la tête, nous disons, Seigneur, merci. Merci pour la réconciliation qui te finit apporte nous. Merci pour le pardon. Merci pour la vie éternelle qui te finit donne moi. Merci pour toutes choses. Hallelujah. Seigneur, toute la gloire est pour toi, tout l'honneur est pour toi, Seigneur. Moi bénis toi, moi loue toi, moi adore toi, Seigneur, parce qu'il te grand. Moi adore toi, Seigneur, parce qu'il te vivant. Moi adore toi, Seigneur, parce qu'il te finit donne moi la paix. Te finit donne moi la joie. Te finit donne moi le pardon, Seigneur. Moi adore toi, Seigneur, parce qu'en toi, moi, je trouve toutes choses. Oh, Jésus, sois loué, sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton corps brisé pour nous à la croix, ton sang versé, Seigneur. Oh, Dieu, toute la gloire est pour toi, tout l'honneur est pour toi, Seigneur. Toute l'adoration n'appartient qu'à toi, parce que c'est toi qui nous as donné cette paix. C'est toi qui nous as donné le pardon. C'est toi qui nous as donné le ciel, Seigneur. Tout vient de toi, Jésus. Oh, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Seigneur. Que tu bénis tous nos frères et sœurs aussi, que tu leur accordes ta grâce, que tu leur accordes ta bénédiction et que tu les fortifies, les soutiens dans ces moments difficiles. Ceux qui sont seuls, Seigneur, que tu puisses être à leur côté. Ceux qui ont éprouvé des difficultés, Seigneur, des problèmes, Seigneur, que tu sois à leur côté, Seigneur, pour les fortifier. Parce qu'en toi, nous avons toutes choses pleinement et abondamment. Que la grâce de Dieu, Seigneur, est capable d'être sur chacun de nous. Merci, Père, dans le nom de Jésus, pour toutes choses. Alléluia. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, bonne musique. On va prendre notre place. Alléluia. Garde bien ça, message-là, frères et sœurs, sur Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Alléluia. Oh, praise the Lord. I put you in front of my melody. You are all that matters, you are all that matters. I make room for two, you and I, Jesus. You are all that matters, you are all that matters. Oh, way, oh, way, you are all that matters. Oh, way, oh, way, you are all that matters. Oh, way, oh, way, you are all that matters. Jésus m'aime tout. La place, première place et toute la place. Alléluia. I put you in front of my destiny. You are all that matters. Oh, hallelujah. You are all that matters. I make room for two. I make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, way, oh, way. You are all that matters. Oh, way, oh, way. You are all that matters. Oh, way, oh, way.
Alléluia, Jésus, toi-même tout. Amen. You are all that matters. Je veux dire, il n'y a que toi qui compte, Seigneur. Tu es tout. Alléluia. Toi-même au plus grand bien. Merci, Seigneur. Nous nous réconcilier avec bon Dieu. Amen, frères et sœurs. Donc, dans un instant, nous faisons la bonne requête. Ensuite, nous faisons la Sainte Cène. Nous pouvons intercéder pour eux. C'est un grand message, ça. Ça même le centre de l'évangile, ça. Premièrement, sa rupture, là. Sa relation cassée, là. L'étude totale. Patiena dit tout relation entre nous. La Bible dit, et dans le verset qui nous lit là, nous étions ennemis de Dieu par nos pensées et nos actes. Ça veut dire pas si nous avons une mauvaise œuvre, dans nos pensées même, nous sommes ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. Donc, la rupture est totale. Totale. Séparé net avec bon Dieu. Mais la réconciliation aussi est totale. C'est une réconciliation totale. Donc il y a des affaires totales, une rupture nette. Bon Dieu, pas contre nous. Après, par Jésus-Christ, nous réconcilier totalement. Il est né dans la crèche pour mourir la croix. À la croix, tout fut accompli. Mais quand Jésus mourut sur la croix, 3 jours après, Jésus ressuscité, 40 jours après, il monte au ciel, il est assis à la droite de Dieu, il est glorifié. Sa ministère a continué. C'est pas, vous m'avez dit, quand Jésus fut né dans sa la crèche, là, un travail, il commençait qui pour Dieu l'éternité, là. Quand Jésus mourut sur la croix, il vient se disant, il est ressuscité le 3e jour, il monte aux cieux, il est glorifié à la droite de Dieu. En ce moment même, sa réconciliation, là, il y en a ce full effet. C'est même sa grand frère qui plaidait là. Mais grand frère, là, on peut plaider, lui. À la droite de Dieu, c'est nos souverains sacrificateurs à la manière de Melchisedec. Et ça continue. Vous connaissez qu'un dimon fait un dit bien. Il y a un couvent. Un home. Hein? Un shelter. Un grand dimon, ça, il y a beaucoup d'argent. Millionnaire. Il y a allé, il donne une certaine somme d'argent. Il est exode. One time donation. Après, il va prendre de tout y amener de la case. Rescotli après, il y a l'état civil, il fait attorney général, il fait un demande, hein. Alors, il prend de tout comme à ses enfants, il donne autre son nom et puis 15 jours il mot, vous devenez l'héritier. Non. Donc, il n'est pas total, il y a une bonne affaire, hein. Où est dans du monde. Moi peut dire où ça. Continuez à faire ça, man, qui veut faire. Hein? Mais mon père dit, comment bon Dieu, il n'est pas faire comme ça. Dieu, la réconciliation est totale. Nous vînons sur héritier. Nous vînons sur enfants adoption. Comment dire, il y a mais nous, l'état civil, il fait où vînons gagner son nom, ou il est adopté où vînons officiellement ce garçon. Enzo Limo qui est arrivé. Tout vînons pour où? Vous devez comprendre là? Ça qui nous vient comprendre, ce qui veut dire, bon Dieu, il mot papa, mais pas si c'est une affaire poétique ou bien religieuse ou bien théologique, ça. Il y a une réalité là. Bon Dieu, vient nous papa, nous vient son héritier, et ça, en vérité, devant qui la cour? Pas la cour suprême d'un pays, ni la cour internationale, mais la cour bon Dieu lui-même, proclamé devant ban ange. Satan comme ça, lui. Alors, tout papier capable de signer là où une façon causée, par disant Jésus dans la croix, considère-toi totalement réconcilié avec ton bon Dieu. Amen. Ton héritier de tout sa bonne promesse qui est dans sa document qui appelle la Bible. Sa même constitution royaume de Dieu, ça. Tout pays a une constitution, non? Ça, c'est parole bon Dieu.
ça va une promesse là-dedans là. Lis pour toi à 100%. Voilà c'est le message d'aujourd'hui. Seulement. Pare sorti de haut comme ces années déjà le promener. Pare tombe dans la boue. Reste avec bon Dieu là. Seigneur, nous rendons toi gloire. Oh, merci pour ce message de réconciliation. À 100% réconcilié avec Dieu. Alléluia. Oh Dieu du puissant. Nous prions pour Daniel Gabriel. Daniel Gabriel, qui est malade, lui pour faire une intervention à l'hôpital. À nous prier pour lui, de tout notre cœur. Nous ici, autres à la maison, Seigneur, nous place Daniel devant toi au nom de Jésus-Christ. Jésus qui nous donne cela vie sur la croix. La parole a été faite chair. La parole, the word of God, le logos invine un être humain pour mourir sur la croix, pour que sa réconciliation-là totale, sa rupture qui dit totale-là vienne une réconciliation totale. Nous venons ben enfant d'adoption, toi adoptez-nous, te donne-nous ton nom, Seigneur. Nous venons héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. C'est pourquoi nous capables réclamer la guérison de Daniel Gabriel, parce qu'il a la croix de payer, le Fils de Dieu fin payer, le grand frère fin intercède pour ce bon frère. Jésus est devenu notre frère et sur la croix ce tissant fin versé. Mot, pas seulement demande-toi, mais mot, proclame-lui par la foi que le Saint-Esprit peut agir et que c'est l'intervention chirurgicale là pour passer bien. Les médecins, les infirmiers, les chirurgiens pour venir serviteur de Dieu dans la salle d'opération là et te la main pour sur eux autres et ce sera parfait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. Connais qu'un médecin, une équipe chirurgicale rentre dans la salle d'opération là. Pena du monde qui compte l'eau bon Dieu plus qu'ils autres croient moi. Je te connais qui appelle contre l'eau bon Dieu ça. Amen. Et je deviens serviteur de Dieu. Yanesh demande de prier pour son rétablissement. L'in fait faire l'opération genou. À nous prier, Seigneur, te bénis Yanesh. Priez ce genou rétabli complètement. Dieu est tout puissant. Merci que l'opération a été faite. Et maintenant, Père, au nom de Jésus, nous sommes héritiers. Héritiers du Père, réconciliés totalement avec le Père. Alléluia. Dans le livre bon Dieu, fin écrit là, au plus grand l'arcou tribunal qui est dans ça. Et ça juge là, nous, papa. Amen. Merci pour Yanesh. Nous prions aussi pour Sœur Vina Virène, qui a gagné extra douleur dans son rein, il sonnait ce matin encore pour demander nous prier. Pour lui, il n'est pas même capable de dormir. Sœur Virène, prends ou la main, mettez l'eau ou les reins. Si vous n'êtes pas capable de faire lui, dis faire radio, faire lui pour vous, mettez sur la main l'eau ou les reins et nous pour prier. Seigneur, notre Dieu, Père, au nom de Jésus qui a payé sur la croix, fully paid, l'in payé, l'in souffert, l'in séparé de Dieu jusqu'à dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Afin qu'il nous vienne héritier de Dieu. Nous sommes héritiers, c'est écrit dans le livre de Dieu, nous non dans le livre de vie de l'agneau. Servina Virène, m'a prié pour les reins guéris. Mon prier pour le Saint-Esprit traverse sa les reins, là, sa les côtes, là, de la tête aux pieds, comme un feu, une chaleur, touche ou les côtes, touche ou les reins, et ou guérit, nous croire. Pourquoi? Parce que Jésus a payé au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous avons un témoignage. Yanesh rend témoignage. Nous t'y prions pour ce travail. Ce contrat de travail est étendu pour 6 mois encore. Il est possible qu'il vienne permanent tout. Ce contrat est étendu pour 6 mois. Merci Seigneur et nous prions pour qu'il vienne permanent. Seigneur, merci pour Yanesh, ce travail. Oh, gloire à Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, pour Yanesh, nous rends-toi gloire. Qui ce contrat de travail est étendu pour 6 mois. Et nous prions pour qu'il vienne permanent. Pour te la gloire, mon Dieu, par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Yuvin, qui fête son anniversaire. C'est même ça. Aujourd'hui, bon anniversaire, Yuvin. Hein?
Bon anniversaire pour le frère Chan de Moka, Damri. Hein? Et ce frère jumeau, frère Simone, qui ont fêté leurs 57 ans hier, 25, 12, 21, 25, amen. Avec tout un Noël. Frère Noël Marie Moutou, frère Riche Noël, frère pasteur Noël à Padoue, s'il y peut écouter nous, bon anniversaire. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, nous rendons toi gloire pour tout ce moment de l'anniversaire, Seigneur, qui fin fête de l'anniversaire hier ou aujourd'hui, comme Yovine. Merci. Bénis autres, Seigneur, le jour que tu nous permettes, nous vîmes nos salatés là pour nous connaître la gloire au nom de Jésus-Christ. Vous connaissez quand vous rend grâce pour son anniversaire, une grande affaire ça. Vous calculez où vîmes l'eau là, où tu ne peux pas venir, combien fois vous dites ça? Réfléchis bien. Vous ne pouvez pas venir là par chance, pas finir un accident ni hasard. Mais toujours est-il, vous réfléchissez ça, moi, vous dites, toi, Willy, mais si tu ne peux pas venir là qui est arrivé. Moi, tu ne peux pas venir, tu es obligé, moi. Hein? Un coup de malsens, moi, je connais qu'à arriver. Dieu ne permet qu'il ou n'est. Une grâce à. Ou peut tout montagne, ou peut tout le ciel, ou peut tout nuage, ou peut tout, tout ce qui veut, ben fleur, hein. Et ou moi, yo, gagne des enfants, man, gagne des enfants. Mais c'est formidable, ça. Léa là, ou passe tout ça l'année là. Hein? L'année après l'année. Ou pas même dire sa bon Dieu là, merci. Pas une question fait de l'anniversaire, mon gâteau. Une question dire merci, bon Dieu, tu me permets moi là. Hein? Allô, guédé, tu veux un petit gâteau, un petit anniversaire. Mais disons, disons, pas un gâteau, pas un ennui. L'anniversaire là, c'est. Mon remercie toi, mon là, mon nez. Amen. Il y a une grande affaire qui remercie bon Dieu. Ah, c'est pourquoi remercier bon Dieu anniversaire après l'autre anniversaire, vous remerciez entre ça de l'anniversaire, là vous faites si vous content comme ces années, vous allez voir ce mois, c'est pas qu'il est. Là, il n'est pas pour bon, pas vrai, hein. Pas faire ça, même qu'il y a des enfants qui inadoptent lui, hein, rupture totale. Après quand, de quoi, il vient de son papa? Quand l'affaire pas bon. Comme un papa là, tout. Gars, il n'a pas venu là-bas, il dit, ça ne vient pas bon ça. Pas faire comme ça. Non. Réconcilier, reste avec lui. Mettez-le in front of your ministry, in front of your melody, in front of your life. Amen. Frères et sœurs, nous pas dit sente, lis nous. C'est nous la vie ça. Jésus pas dit in front. Jésus tout pour nous. D'accord, frères et sœurs, nous ferons la Sainte Seine dans un instant. I put you in front of my melody, mon chant. Vous voulez chanter, 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 dis pas si chanter dans jolie la voix, qu'on nom, qu'on don, qu'on a un talent, la musique. Tout ça là, tout ça là, tout ça là, tout ça là, il y a un pourtant. Vous savez qu'on joue la musique, il y a une tonalité. Mais là, oh, l'adoration, les plis qui ça, l'adoration, les plis qui ça, l'adoration, les plis qui ça. Alléluia. Oh, praise the Lord. I put you in front of my melody. You are all that matters. Oh, alléluia. You are all that matters. I make room for today, you and I, Jesus, you are all that matters. Ooh, you are all that matters. Oh, oh, way, oh, way. Oh, yes, you are all that matters. Oh, yes, oh, yes. You are all that matters. I put you in front. I put you in front. In front of my destiny. You are all that matters. Oh, rabba, baba, kadaba. You are all that matters. Oh, way. Oh, yes. Oh, amen. You are all that matters. Oh,
Sainte-Seine nous pose la question. Est-ce qu'il ferait même Jésus tout pour toi? Il est facile pour connaître ça. Bien facile pour connaître. Quand vous comptez un dimoun, vous pensez tout le temps. Ouais. Bon. Hein? Combien dans 24 heures, combien de fois tu penses Jésus? Ou bien tu oublies lui? C'est un bon test ça. I put you in front of him, me le dis de quoi, c'est une santé ça, non? Il est plus qu'un chant ça, il y a une réalité de la vie ça. Nous pouvons prendre le chant, en, ça c'est ce refrain ça, mais nous pouvons prendre le chant en entier bientôt, nous pouvons chanter avec bonne chorale, je dois chanter, bonne zénès là. C'est un chant bien profond, nous allons prendre le temps pour apprendre lui parce qu'il y a un petit point musical assez complexe là-dedans, mais l'isolé, amen. Mais faire lui vivre une réalité. De pour prier, bon Dieu, pour répondre. Mais moi, mon besoin de prière, la prière est importante. Il ne fallait pas arrêter de prier. Mais une qualité de la prière, bon Dieu, répond avant de demander. Mon désir, je pense à une affaire. Il ne pense qu'on vient dans la prière. Ou les quoi les réaliser. Quel Dieu. Amen. Mettez-le. Je ne vais pas dire une front, mais pas première place. Toute la place. Moi-même, l'alpha, moi-même, l'oméga. L'alpha et l'oméga, les mêmes premiers, les mêmes derniers. Et malgré nous d'une pandémie, malgré nous d'un temps difficile, comme je remarque, nous dire, pour nous, il pas pour ça difficile. Merci Seigneur pour la Sainte Seine. Oh, gloire à Dieu. Prépare-toi, prends-toi de la Sainte Seine, mais fais-le solennellement, comme tous les temps, nous dire. Pas fais-le, comme dire, ou habitué. Faut des noms. Dans nous pas une pratique, li pas vine une habitude, une routine. Jour la Sainte Seine vine une routine dans nous la vie. Ou bien la louange, fini nous l'église, fini nous même. Il y a une routine dans l'essence qui nous fait aller souvent, mais faut des chaque fois li unique en communion avec le sang de Jésus. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Ou devant quelque chose de très sacré là. Il y a des affaires, il y a des secret things, après il y a des common things. Comment les communs, secret les séparer, les sanctifier. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang, signée par le sang de Jésus sur la croix. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, quand toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est la coupe du Seigneur, sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Ou pas besoin que tout camarade, s'il ne sentit pas digne, laisse-le boire. S'il ne sentit pas digne, ben, qu'il a repenti devant Dieu. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Amen. Quand celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même, c'est qu'il nous va souhaiter pour. Seigneur, merci sur la croix, Dauphine, donne de la vie, Seigneur. Toi, le Logos éternel, la parole a été faite chair, tu es devenu un être humain, un homme. Et sur la croix, ton mot se sent précieux, sans péché. Cette vie sans tâche a été offerte en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Tu es ressuscité des morts, tu es à la droite de Dieu, tu intercèdes pour nous. Et nous, ce matin, nous considérons la Sainte Seine comme quelque chose de très, très consacré. Et nous pouvons participer solennellement, Seigneur,
et me connaît beaucoup pour trouver la délivrance, la guérison, la bénédiction, rien qu'en participant à la Sainte Cène, au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, le banquier dans la salle, là, nous mettons-nous debout. Les musiciens vont prendre la Sainte Cène, ils ont mort pour passer. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, Jesus. Gloire à Dieu, nous faisons une bonne annonce pour la fin de l'année, là. Gloire à Dieu, nous prenons la Sainte Cène avant. Alléluia. Oh, Rapacanto, Robefeis, Blada, Baramaha. Glory, glory, glory. Après, nous sentons Abbevol, Paweus, au-dessus de toute puissance. Merci, Seigneur, pour ça du pain-là. Merci, Seigneur, pour ça du vin-là. Communion au corps et au sang de Jésus. Commémorant la mort de Jésus en mémoire de lui. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you are. Oh, crucified, laid behind a stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground, you took thought of me, you thought of me on the cross. Above all, à la croix, là, te tipe, pense-moi, Seigneur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature, de la création, au-dessus de tout, au-dessus de tout, les plans des hommes savent. Bien avant le monde, tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur insondable, insondable, insondable. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose coulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, oh Rainbow, tu m'as aimé par-dessus tout. Laid
notre faute. Vous tombez à bord, vous, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Merci, merci, dear merci, thank you Lord, thank you Lord, merci, merci Jésus, gloire à Dieu. Dieu dit merci Seigneur, Prabhu Yesu. Prabhu Yesu, Seigneur Jésus, Lord Jesus Christ, merci, merci, gloire à Dieu, merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Réconcilié totalement. Rupture là-ti, total. Paix dans la relation dit toi au bon Dieu. Nous baptisons enfants modernes, nous disons l'ennemi bon Dieu. Connais comment la Bible appelle ban qui pas. Pas peine en relation avec Dieu, enfant de colère. Nous trouvons ça de la Bible? Nous étions tous ennemis de Dieu, enfant de colère. Donc, ça rupture là, c'est total, ça. Mais réconciliation là, c'est total, moi tu veux dire plus qui total là. Qui fait plus qui total? Parce que nous venons, nous portons son nom. Vous n'êtes qu'à adopter à l'état civil, là, vous avez créé un général, vous avez un livre, tout de date, pas vrai? La Cour suprême, tout ça, là, ben, des morts, sphères, il y a avoué, il y a tout rentre là-dedans, là, ben, ouais. Les là, garçon là, Lévine, garçon adoptif, l'hypote, même nom qui ça l'autre qui tiné, légitime, là. Adopté. Autre nom, ça, papa, là. L'ici, Lévine, héritier. Tu vois qu'on est quitté, était quelquefois. Amen. Seulement, il y a une condition là-dedans. Rester. R-E-S-T-E-R. Que vous allez faire? Rester. La Bible dit demeurer. Ou pas rendre visite de temps en temps ou demeurer. Gloire à Dieu. T'amènes la main pour Jésus, même la case de tout. Alléluia. Ou pas sentir ou mieux là? Et mon sentiment riche. Héritier bon Dieu. Mais que soit idéo qui est ouvert ou lisier qui est le ciel qui est partout. Sans compter qu'il y en a la one dans là-bas. Héritier de Dieu. Seulement, restez. Demeurez en Christ. Amen. Nous faisons quelques annonces. Mercredi 29, nous prenons nos réunions évangélisation. C'est une réunion très importante que nous parle de Jésus. 5h30 l'après-midi. Jusqu'à 6h30, 6h45, mercredi 29. Ok là? Après, nous avons le 31. Nous, bien chacun qui sera l'année là, première année depuis l'Assemblée de Dieu existe, et puis nous peinons à réveillon. Nous ne sommes pas capables de faire réveillon. Nous ne sommes pas capables de faire fête des enfants. Nous ne sommes pas capables de faire fête des sœurs. Nous ne pouvons pas faire fête de responsable. Ban responsable qui écoute moi ou bien reconnaissant vers toi, tout ban prédicateur, tout ban dans le service d'ordre. Hein? Frère Vishnu, qui sont madame, occupe la salle, service d'ordre et tout ban qui fait cellule, ban cell leaders. Et nous avons une trentaine, même plus, une quarantaine. Et nous pensons à chacun des autres, mais nous ne sommes pas capables de comprendre. Hein? De comprendre. Nous finissons abide to the rules and regulations, ben, autorité. Là, nous pas plus que 10, là, nous avons 10 personnes. Et nous, c'était le 15 janvier, les autorités capables permettent de nous rassembler, comme d'habitude, sinon un certain nombre convenable, même si nous avons besoin de faire plusieurs cultes. Si nous faisons après le 15, nous capables de rassembler 100 personnes, ce sera deux cultes, 8h30, un premier culte, et 10h15, deuxième culte. Ça, une première éventualité. Sinon, si le 15 janvier, nous ne pouvons pas rassembler 50 personnes, ce qui ne nous connaît pas,
Tu as content, permettez-nous, 100. Hein? Mais 650, là, il y a ça, 4 cultes là. Zote connaît dans qui la liste zote était. Nous pas besoin de refaire la liste. Samedi après-midi, reste samedi après-midi. Nous pourrions venir là, juste pour dire zote. Nous venons immédiatement là, c'est qui paye. Non, là. Le 31, groupe zote en famille. Hein? Zote à la maison, mais zote chic quand même. Hein? Mais je sais quand même, hein? Il est vrai la case, même ça, nous mettons l'un de la case, mais qui l'un de la case là, il est joli, il est propre, il est l'un sorti même. Et oula, réveillons ça. Dans la présence du Seigneur, moi, je mets chic, moi. Mettez chic ça, mettez chic. Faire ça, là, nous va mettre cravate normalement. Mais, abisot. Hein, vous êtes d'accord? Léa là. Vous êtes fini manger, tout si pas 8 et 9 vers, fini manger, fini, etc. L'autre. Nous mettons l'air. 10h30. Message là, il est pour online, bien bonheur. Peut-être depuis les 30, non, 31. 31 après-midi, au début d'après-midi, au début de soirée, message là, il est pour online. Un message spécial pour comme d'habitude, pour l'année 2022, et 10h30, fini manger, fini tout, hein? 10h30, je tourne en assemblée de Dieu Saint-Pierre, en famille, en groupe, je écoute le message, nous je vais chanter un petit cantique avant, santé, hein, santé, prends la guitare, ça, santé, un ou deux cantiques, et là, je t'écoute le message, quand le message finit, peut-être il va arriver 11h, 11h15, et là, je rentre dans la prière. Vous êtes capable d'atteindre minuit, nous faire lit comme ça. Maintenant, nous mettons l'air 10h30 qui fait comme ça. Nous tous, nous capables online en même temps. Mais si il y a une impossibilité, ou pour besoin rentre 10h, ou faire lit, ou besoin rentre 9h30, hein? Et là, dire aux enfants, vous allez dormir, frère, nous pour faire lit 9h, nous, ben, ou capable faire lit, hein? Moi, ou capable faire lit, parce qu'au début de la fin d'après-midi, début soirée, il est pour online. Message là, assemblée de Dieu Saint-Pierre, message réveillon, ou capable de faire lit. Mais c'est moi, je peux dire, si nous tournons 10h30, nous gagnons un réveillon, comment dire, chacun de ses lits, mais besoin de faire lit. Amen. Voilà. Et maintenant arrive dimanche, le 2. Le 2, nous prenons à nos cultes. Pas une assemblée, pas gagner les trois. 10 personnes nous voulons nous, hein, 20 musiciens pour nous faire un petit effort. Et chez eux, notre prépose de la Sainte-Seine, pareil, le 2 janvier, mais seulement nous faire l'île 9h. Lève bonheur, baigner, prends au petit déjeuner, mettre chic. 9h, nous peut commencer, nous. Nous pouvons faire maillère là, 9h. Moi, j'en ai marqué que 20 musiciens. 9h à 9h30, chant. 9h30, 40, à peu près. Là, nous vous prêchons la parole de Dieu. 9h, 10h, 10h15, hein, à peu près, nous pour terminer parce que nous connaissons ça joue là, nous pour besoin et dans notre bonne activité. Mais soyez tous guettés, l'année par l'année, les désenviés par les désenviés, nous pour besoin dans nos cultes à 9h, fini, baigné, bonheur. Pas dire, ah, moi, une tasse d'endras, c'est pas mon lève-toi, non, 9h, nous besoin. D'ailleurs, nous vous trouvez. Quantité qui suivent nous là. Amen. Vous connaissez les autres faire tout? Et là, envoyez-nous un petit message. Envoyez un petit message. Si vous n'êtes pas habitué, envoyez un message. Comme ça, nous retournons, nous connaissons là. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Alléluia. Là, mercredi, nous pas pour non. Mercredi 29, même dernier là. Mais dimanche, nous prenons. Le 2, le 9 et ainsi de suite. D'accord? Nous pas content cause l'offrande online du tout. Nous pas mentionne là-dessus. Mais autres connaissent autres. Pas finir la réunion, pas prendre la réveillon. Autres prend, autres la dîme avec autres de France, autres mettent l'idée dans l'enveloppe, autres gardent avec autres. Et quand nous rentrons, on va faire le nécessaire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est tout? Nous terminons? Jean-Marc? Rends grâce, mon Dieu.
Dieu vous bénisse. Envoyez-nous un feedback, envoyez-nous un témoignage si vous guérissez, délivrez, bénis par sa culte là, par le message, par normalement la prière. Envoyez aujourd'hui même là, tout de suite, envoyez un témoignage. Hein? Voilà. Merci, Dieu bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Nous rendons grâce Seigneur Jésus pour ce moment qui vient de passer dans ta présence. Oh, alléluia. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, nous venons être restaurés. Nous venons recevoir de toi, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous rendons grâce pour toutes nos manes requêtes qui nous font une place devant toi. Et nous croire, Seigneur Jésus, tout ça va une requête là, tu viens exauce, Seigneur Jésus, ces requêtes. Alléluia. Parce que tu es un bon Dieu qui écoute nous la prière. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci pour chaque frère et sœur. Alléluia. Alléluia. Dans ce culte ce matin. Alléluia. Qui te bénit chaque frère et sœur. Pendant cette semaine encore, Seigneur, qui te ramène aux autres, Seigneur Jésus. Qui, Seigneur, t'accompagne chaque frère et sœur, partout que tu t'allais, qui te protection les leurs autres, Seigneur Jésus. Que ton nom les bénisse, que ton nom les glorifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse et que cette semaine y être béni. Alléluia, dans le nom de Jésus.